Hola, aujourd'hui on est le samedi 21 septembre et du coup c'est mon premier week-end seul à Singapour et je voulais vous emmener avec moi. Pour l'instant j'ai rien de spécial qui est prévu, il faut juste que j'aille chercher genre une crème dans un centre commercial. En gros ce week-end c'est le Grand Prix à Singapour, donc il y a pas mal de trucs qui sont fermés, enfin il y a pas mal d'animations spéciales sauf que je crois que tout est payant donc je vais aller voir s'il y a moyen d'accéder à un truc et sinon bah je verrai, je vais me balader. Pour l'instant là je vais juste, j'ai traîné dans mon lit et je vais juste ranger ma chambre vite fait, je vais déjeuner et après j'irai à la salle m'entraîner. Du coup voilà mon petit déj d'absolument tous les jours, une banane, des flocons d'avoine et du yaourt grec. J'ai pris mon petit déj tout à l'heure, j'ai traîné, puis j'ai lu un peu et je suis partie à la salle. J'ai fait les jambes mais en gros j'ai pas le droit de filmer dans ma salle. Enfin, j'ai voulu me coiffer sauf qu'en fait j'ai eu trop chaud et du coup je me suis arrêtée en plein milieu. Genre j'allais faire une tresse mais j'ai que le début de ma tresse et après je fais oh non. En fait, les moindres trucs que tu fais, tu transpires. Mais vraiment, genre là, j'essaie de me faire une tresse et j'ai transpiré comme never. Et du coup, j'ai arrêté parce que j'avais la flemme de transpirer avant même de sortir de chez moi. Du coup, voilà. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que tu rentres dans un magasin et ils ont la clim à fond. Et donc, t'as froid. Et donc, moi, ma vie, c'est ça. J'ai chaud, j'ai froid. Genre. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais regarder. Il est quelle heure? Il est 1h30 à peu près. Je vais aller acheter ma crème et après j'irai manger Et du coup voilà, pour ma tenue j'ai juste mis genre un petit t-shirt noir tout fin, tout large. Un petit short, faut pas regarder le bordel derrière, non. Un short tout fin et genre mes docks. Donc ça se trouve vous entendez rien, mais en gros j'ai mangé dans un food center et délicieux. Il faut que je bosse sur des trucs sur mon ordi. Donc ce midi, je sais plus si je l'ai dit, mais mon repas il m'a coûté genre 8,50$, sachant que c'était énorme. Genre j'avais pas du tout besoin de la brioche aux champignons qui était à 2$, genre 6,50$ ça suffisait large, sachant que c'était quand même un peu cher pour ce que j'ai pris, genre par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Et enfin, c'est pour vous dire qu'en fait c'est pas très cher de manger ici. Je me suis posée, j'ai pris une petite tasse. Et genre la glace c'était 1,20$, genre littéralement 80 centimes, donc c'est rien. Je suis passée faire quelques courses en rentrant, là je vais me poser, je vais bosser un peu sur mon ordi, j'ai des trucs à faire pour mon stage. Du coup aujourd'hui on est dimanche et en fait de base j'avais prévu ce matin d'aller marcher et tout, histoire de bouger un petit peu. Et l'après-midi d'aller, il y avait une espèce de journée avec des concerts, des exposants et tout, et de quoi manger. Sauf qu'en fait ce matin quand je me suis réveillée, déjà j'ai grave, enfin je me suis réveillée tôt donc j'ai essayé de me rendormir. Et en fait j'étais hyper, je me sentais faible genre, enfin je me sentais pas très bien, je me sens très fatiguée et tout, et donc j'ai préféré pas sortir. Et donc je suis restée chez moi, je bosse sur
en stage, je traîne, du moins j'ai toujours une série tranquille, je prends mon temps. Je me suis lavé les cheveux, youhou! Et puis voilà. Mais du coup, c'est un petit dimanche tranquille où il se passe rien de fou. Voilà.